Bonjour à toutes et à tous. Me voici, me revoilà aujourd'hui. Donc, on avait fait cette carte la dernière fois. Eh bien, aujourd'hui, on va décorer son enveloppe. Donc, j'ai pris une enveloppe toute simple et on va venir la décorer un petit peu. Donc, avec les chutes de papier qui me restaient, puis les dice cuts qui me restaient, je vais faire, on va essayer de la décorer un petit peu. Donc, je vais déjà prendre les chutes qui avaient de ça en fait. Voilà. Donc, on va venir coller de ce côté-ci de l'enveloppe. Comme ça, de chaque côté, voilà, on essaye de les mettre à peu près à la même hauteur. Ensuite, j'avais cette chute là qu'on va venir mettre ici au milieu. Voilà, donc c'est décoration d'enveloppe, c'est en général des petits tutos tout rapides. Mais c'est bien sympa quand on les envoie par la poste, c'est autre chose, mais quand on peut les donner en propre main, c'est toujours ça fait aussi un petit effet, c'est sympa d'avoir des enveloppes décorées. Là, je prends un dice cut donc d'une petite fleurs qu'on avait déjà mis donc sur le devant et l'intérieur de la carte. Là, je mets pas de 3D sur l'enveloppe, je les colle directement. Et donc je vais venir mettre une jolie petite rose ici. J'adore ces couleurs, je trouve ça vraiment trop beau. Et puis, je vais venir mettre un Happy Birthday ici au milieu. Une petite étiquette. C'est de la mettre au milieu. Droite. Et donc, voilà ce que ça me donne. Déjà sur ce côté de l'enveloppe, ici j'ai trouvé ça très joli, ce petit morceau comme ça, vous allez voir avec l'étiquette, je trouve que ça ressort bien, donc je colle ça ici, et ensuite j'ai pris une petite étiquette où j'ai écrit son prénom. Et je vais venir le coller ici dessus. Voilà. Je trouve ma foi que ça fait super mignon. J'aime bien. Et puis la rose, eh bien, je la collerai ici quand je vais mettre l'enveloppe à l'intérieur. L'enveloppe, qu'est-ce que je raconte? La carte à l'intérieur. Et pour la fermer, je vais coller la rose ici. Donc voilà, tout simplement, ce côté-ci. Est-ce que je rajoute quelque chose? Est-ce que je rajouterai pas un petit morceau? Oui, je crois que je vais rajouter... un petit morceau ici pour faire un rappel. Voilà, donc on utilise vraiment même les plus petites chutes.
Voilà, comme ça, je trouve que ça fait joli. Je vais vous montrer ça. Alors, la rose, elle va être collée comme ceci. Et voilà ce qu'on aura de ce côté-ci. Et voilà ce qu'il y aura de ce côté-là. Donc voilà un petit tuto décoration d'enveloppe très rapide, mais je trouve que ça fait son effet quand on a la carte donc qui va avec. Je trouve que ça sort vraiment super bien. Voilà, j'espère que ce tout petit tuto vous aura plu, cette petite décoration d'enveloppe avec moi vous aura plu. Moi je vous dis à très vite. Bye bye.